3 ans femelle, Génophée de Bouzoul, et chez les 3 ans mâles, égale Jason. Pour vous redonner les numéros, donc l'égérie de Cordel est numéro 3 de votre programme. L'AF de Bozoul est numéro 7. Le numéro 19, c'est Cool El Kibli, femelle de 2 ans. Numéro 24, chez les mâles de 2 ans, Amir Al-Inkad. Chez les femelles de 3 ans, c'est la numéro 33, Génophée de Bozoul. Et le mâle de 3 ans, c'est le numéro 40, égale Jason. Voilà, profitez-en, admirez-les une dernière fois, tous nos gagnants de classe. Donc un très beau défilé de jeunes chevaux d'endurance. Tous des champions de France 2022. Nous devrions en avoir 6. Donc nous appelons les absents, s'il vous plaît, à se présenter le plus rapidement possible. Égale Jason, vous pouvez rentrer en piste. Voilà, ils étaient en fait divisés en 2 sections, donc les mâles vont entrer en piste. Mesdames et messieurs, Best in Show femelle. La Best in Show femelle, eh bien, c'est la plus jeune. C'est la plus jeune, c'est la numéro 3, l'égérie de Cordel. Récompensé par Monsieur Marcel Mézy de la société de la Mésagri. L'élevage de Bozoul, que vous connaissez bien.
Donc l'égérie de Cordel, c'est une fille de Djevar des Graves, je vous le rappelle. Sa mère, c'est Touyou de Gargassan par Ali Mabrouk. Et elle appartient à Pascal Piazzalunga, qui en est également l'éleveur. Voilà, Best in Show femelle, la yearling, l'égérie de Cordel. Et tous nos remerciements à Mézagri et Marcel Mézi, propriétaire de l'élevage de Bozoul, pour le parrainage de ce très joli Best in Show femelle. Voilà les mâles maintenant, chez les mâles. Nous aurons le numéro 7. Voilà, tour d'honneur de l'égérie. Bravo à Pascal Piazzalunga. Eh bien, les mâles maintenant, les mâles chez les yearlings, c'était le numéro 7, l'AF de Bozoul. Chez les 2 ans, c'était le numéro 24, Amir Al-Inkad. Et chez les 3 ans, le 40, égale Jason.